Ok, messieurs, dames, donc je vais vous demander de faire un triomphe, un tonnerre d'applaudissements pour le réalisateur du film, monsieur Julien Leclerc et monsieur Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'était mon film précédent, c'était Braqueur, et c'était ici. J'étais venu avec Caris et Rémi Bachelin, et je sais qu'il y a des parents de Sevran, et je sais qu'il y a des amis dans la salle, et que. Et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de revenir ici avec Lucas, de ramener Jean-Claude ici. J'espère que le film va vous plaire, vous verrez que c'est un polar très noir, très réaliste. Il n'y a pas de grand écart et de coups de pied en l'air, mais il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de genoux, il y a des courses poursuites en voiture. C'est un film sous tension. Et vous allez voir la particularité de ce film, c'est que tout est filmé à travers les yeux de Jean-Claude. Ça veut dire que vous découvrez, vous, le public, les choses en même temps que lui. Vous n'avez pas, comme dans certains films, un temps d'avance sur le héros. Il est de tous les plans, c'était une des particularités du film en tant que scénario et mise en scène. Et c'est particulier pour un metteur en scène et pour un acteur de tout le temps le filmer. C'était tourné avec une seule caméra, donc parfois, moi c'était ce qui m'excitait, de filmer l'action un peu différemment. Donc moi je le fais avant tout pour moi, et je me mets à votre place, et je me dis voilà, quand je suis au milieu de la salle, et d'être en immersion totale, voilà. Donc si vous aimez ce garçon, je pense que vous allez aimer ce film. Quand Julien il parle de la caméra, il faut bien penser qu'il y a une préparation énorme qui se fait avant le film. En général, un film se fait de 2, 3, 4, 5 caméras. Donc on a le temps de couper la graisse du film pour avancer, laisser des erreurs, d'angle et tout ça, pour pouvoir les protéger un peu partout. C'est-à-dire, si je prends un angle sur l'écran, je vais prendre 2-3 close-up et comme ça, ça bouge bien et il y a du mouvement. Et qu'une caméra, ce qu'il faut faire, on part avec un angle et puis il faut savoir ce qui se passe après parce que sinon, l'écran est vide et les gens s'embêtent. Donc, la préparation d'une caméra, je vous dis pourquoi. Quand vous allez voir le film, on dirait qu'il y aura 2, 3, 4, 5 caméras. Il a tourné organiquement parlant pour prendre l'audience avec moi. C'est-à-dire qu'il a commencé avec la caméra, beaucoup de scènes, où on est derrière moi, donc les gens m'accompagnent avec le film. Et puis, il tourne la caméra autour, et si on a réussi, s'il a réussi à prendre ça avec lui, ce voyage, on le fait ensemble. Pour deux raisons. Une raison jamais commune. C'est les gens normaux qui sont ici, j'ai réussi la rue, donc on est tout à fait, voilà. Et en plus, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a réalisé une équipe technique formidable, de bonne lumière, bon décorateur, très bon caméraman, les acteurs sont formidables, acteurs français, et j'ai eu la chance, la grande chance d'avoir tourné avec les acteurs qui ont gagné à la voir.
Donc, Sami Bojila. Sami Bojila, merci. Sami, si tu vois. Donc, je suis content d'être ici. Et grâce à vous, eh ben, grâce à vous, je suis ce que je suis. Et sans vous, ben, je suis dans un sens un peu rien. Et aussi, on a fait une tournée de 3 jours, 4 jours maintenant, non-stop. Et vraiment, je suis épuisé, et épuisé de l'amour de l'audience. Parce que quand je viens voir toutes ces villes, parce que vous venez toujours voir mes films, on est venu dans le sud, dans le nord de la France, c'est moi qui viens à vous pour réciproquer votre amour, et je suis épuisé d'amour, j'ai tellement d'amour de vous, je ne sais pas comment vous faire. Merci. Merci à la France. Vous êtes